cœur du projet, il y a l'auditorium, 400 places. Ça n'existait pas à l'Institut catholique de Paris, et ça manquait aux chercheurs, parce que quand on étudie des sujets connexes dans le monde entier, il faut qu'à un moment donné, on puisse en réel et pas seulement en virtuel, se rencontrer, et puis dans des jardins, dans des foyers, discuter de façon informelle. C'est ça qui fait avancer la recherche. Et en même temps, il manquait, vous me l'aviez dit, de quoi enseigner à 220 élèves des cours magistraux. Et donc on a fait un amphi qui se coupe en deux aussi. Et puis cet amphi, il est en continuité avec les espaces publics, le jardin, la lumière. Et on va se concentrer sur la recherche sur le livre de Samuel pendant 3 heures. Et en sortant, être sous la lumière et face à l'architecture historique, non ? De fait, notre unité de recherche, religion, culture et société, qui a 300 doctorants, organise régulièrement des colloques scientifiques internationaux qui permettent de comprendre comment les religions, dans le passé, aujourd'hui et demain, sont attentives à la mise en valeur des cultures et au service de la complexité des problèmes sociétaux aujourd'hui. Ce qu'il y a de bien aussi d'intéressant, c'est qu'on va le rendre aussi avec cet amphi, puisqu'il est accessible par le porche de Vaugirard et qu'il accueillera des rencontres entre le milieu de la recherche et le milieu intellectuel de l'Institut catholique de Paris et la société tout entière. Et là, on a un outil qui… Il n'y a peut-être même pas 10 auditoriums comme ça dans Paris, et ça va devenir un lieu de référence de la société parisienne. Qu'au cœur de Paris, l'Église catholique investisse pour l'avenir, avec le soutien de nos donateurs, pour qu'on ait ce lieu qui mette au cœur de la société parisienne, française et internationale, les vrais sujets qui permettent de déployer le potentiel des religieux et des religions pour, et des croyants, pour comprendre et renouveler les questions sociétales, je pense que nous pourrons, vous et moi, être fiers d'avoir initié ce projet de recherche.